Ce que je voulais signifier, c'est d'abord dire merci à tous ceux qui ont initié, tous ceux qui ont fait le département, singulièrement le ministère de la Jeunesse et du Service Civique, pour nous apporter de la nourriture. En un mot, combattre la pauvreté. Monsieur le député Kadiné, par votre présence en ces lieux, vous ne faites pas que contribuer à réaliser les objectifs de votre cabinet. C'est-à-dire, si je ne m'abuse, promouvoir l'auto-emploi chez les jeunes, ceux de la sous-préfecture de Saïwa. Non. Mais votre présence vient de déchirer le rideau de méfiance que la crise post-électorale a dressé entre le nouveau pouvoir et les populations de cette zone du pays acquise à la cause de l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci, monsieur le directeur, d'engager par ce déplacement le vrai combat de la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Vous êtes le bienvenu ici, dans le canton Yokolo, dans le village de Korepo. Korepo, l'exception du canton qui confirme la règle de l'intégration nationale et de la pluralité ethnique de la Côte d'Ivoire. Du cabinet. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur endroit pour dire haut et fort à la jeunesse de Côte d'Ivoire les actions d'éclat que votre département ministériel fait ou envisage de faire pour répondre favorablement aux aspirations de la France, de la population la plus sensible, la plus manipulable, et la jeunesse. Vous y avez si bien compris cet adage qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et quand donnant du travail à un jeune, on désarme son esprit. Et quand l'occupant a créé des richesses par lui-même et pour lui-même, il n'a point d'oreille pour tous ceux qui peuvent lui proposer des armes. La jeunesse du Yokolo est venue vous entendre, assoiffée et curieuse. Nous, promoteurs du projet Yokori, sommes fiers de servir des prétextes et des levains. Monsieur le directeur du FNS, les promoteurs du projet Yokori voudrais par ma voix vous dire leur satisfaction de voir ce projet inscrit dans les annales de votre structure si prestigieuse. En donnant votre accord de financement du projet Yokori, vous démontrez si bien, si besoin était encore, que la continuité de l'administration est une réalité. En effet, aujourd'hui, 9 février, cela fait exactement un an, un jour, que ce projet a été déposé dans vos bureaux. Lorsque la crise post-électorale a éclaté en avril 2011, nous avions des raisons de ne plus espérer, puisque tous les services publics et privés de la capitale avaient été pillés. Grande finale surprise, lorsqu'au mois d'août 2011, nous avons été invités par un membre de votre équipe pour approfondir l'étude du projet. Vous avez accepté de soumettre à financement ce projet ayant pour objet la production sur une superficie de 120 hectares de bas-fonds, deux cycles, bien sûr, de 60 hectares chacun, environ 480 tonnes de riz padi, dont le décortiquage mettra sur le marché environ 312 tonnes de riz blanchi chaque année, et cela pendant 5 ans.
Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique pour l'appui constant qu'il ne cesse d'apporter au Fonds National de Solidarité pour la Promotion d'Emploi Jeunes FNS qui, sous son impulsion, relance résolument ses activités de financement de projets de création d'emplois en faveur des jeunes, ainsi qu'à toutes les parties prenantes à l'important projet qui nous réunit ce jour, notamment la BFA, qui assure le cofinancement de cette activité avec le FNS, mais aussi les différents partenaires techniques concernés, le PSCN, l'ANADER, l'ADCVI et le collectif des centres de gestion agréés CGA. Mesdames et messieurs, le FNS, faut-il le rappeler, a pour mission essentielle de favoriser, en partenariat avec le système financier et bancaire, l'accès au financement pour les jeunes promoteurs et les entreprises créatrices d'emplois jeunes, et de contribuer ainsi à faire émerger de jeunes entrepreneurs capables de se prendre en charge à travers la conduite d'activités génératrices de revenus, comme c'est le cas aujourd'hui avec le projet Yokori. Cet important projet s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations du FNS, telles que définies par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique, en l'occurrence la promotion et le financement de projets collectifs dans des filières économiques porteuses et offrant de réelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Ce projet revêt à plus d'un titre une importance particulière dans l'action du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service Civique. Il est d'abord la traduction dans les faits de la nouvelle politique de notre département qui consiste à privilégier le financement des projets collectifs, surtout ceux réalisés dans le domaine agricole. Aussi, en encourageant la participation du FNS au financement du projet Yokori, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Services Civiques, entend-il rompre avec la pratique qui avait jusque-là cours et qui confinait les actions du FNS dans le secteur tertiaire. La nouvelle ligne d'orientation du FNS l'engage à apporter sa garantie au financement de projets jeunes qui contribuent à réduire le spectre de l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est dans ce même souci que répondra dans les jours prochains le lancement du vaste programme de création de fermes agricoles dans tous les sens, centres ruraux de services civiques. Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Services Civiques a souhaité que les actions de financement intègrent la diversité sociopolitique de la nation. Sous ce rapport, tout jeune Ivoirien, quelle que soit son origine, ses convictions politiques ou religieuses, doit pouvoir bénéficier du financement s'il présente un projet structuré et viable. C'est à ce prix que nous contribuerons au succès de l'action inlassable du chef de l'État tendant à réconcilier les Ivoiriens et à réaliser l'unité de la nation. Mesdames et messieurs les porteurs, les promoteurs du projet, vous avez sollicité le financement du FNS. Le financement vous est désormais acquis. À présent, le plus dur commence pour vous, car vous n'avez pas le droit de décevoir tous les espoirs que l'ensemble des partenaires fondent sur ce projet. Vous devez réussir. Vous allez réussir. Certainement, ce projet Yokori qui est arrivé aujourd'hui dans mon village, ça m'a ébloui parce que c'est une initiative. Une initiative qui fera que la jeunesse de Kouribo sera insérée certainement dans le travail. Va te mobiliser dans le travail et ça fera que chacun sera occupé. Et encore plus, ce que je vois, c'est dans le sens du développement. Yokori fera que peut-être à l'avenir, même si le projet grandit, il peut avoir des infrastructures au niveau de notre village. Soit le dispensaire qui est en construction, qui n'est pas encore achevé, peut être achevé par rapport à ce projet. Ce qui veut dire que, sincèrement, le projet
est avantageux pour nous. Et ça nous encourage à rentrer davantage dans le travail pour que ce projet réussisse. En nous accordant ce projet, c'est seulement le ministère a bien vu, parce que aujourd'hui la jeunesse est livrée à elle-même. Et c'est une manière d'occuper la jeunesse. Et en occupant la jeunesse, elle peut éviter certaines mauvaises pratiques. Chaque jour en allant au travail, les heures de travail occupent toute ta journée. En ce moment-là, tu ne pourras plus te donner à autre chose. Donc, sincèrement, je remercie le ministère de la Jeunesse. Et au FNS, sincèrement, je remercie tous les responsables. Tous les responsables qui ont encouragé, qui ont accompagné avec conviction ce projet. Et sincèrement, nous ne pouvons pas les décevoir. Nous allons effectivement faire le travail pour que vive la jeunesse de Korebo et en général du Yokolo. Ce projet pour moi est une mine d'or. Si la jeunesse de Saïwa et de Korebo en particulier appréhende ce projet-là, ce serait très bon pour nous tous. Non seulement ça donne du travail à la jeunesse, mais ça nous donne du riz à manger. Nous serons vraiment, nous sommes les gâtés. Je suis content que le ministère ait continué les projets qui étaient déjà en cours. Initiative que je salue et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier le gouvernement d'avoir commencé ce programme par Saïwa. Parce que retenez que Korebo fait partie de la commune de Saïwa. Nous avons tenu à soutenir l'action FNS ce jour, à savoir la cérémonie d'installation des jeux du projet Yokori. Nous avons tenu à le soutenir.